et bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. J'espère que vous allez bien en ce beau lundi. Merci de me rejoindre sur la chaîne de la beauté et de l'excellence, forcément puisque vous y êtes. Et je vous remercie vraiment d'être présent. Il y a beaucoup de bruit autour de moi, beaucoup de monde qui font beaucoup de bruit. On va leur demander de se calmer, ben oui, c'est lundi. Alors dites-moi, aujourd'hui, on va parler d'une quelque chose qui s'est produit au niveau de la peste aux étoiles. C'est pour ça que j'ai intitulé la vidéo 723,8 milliards d'euros. Bye bye les euros, mais on va en parler dans quelques minutes et vous en comprendrez le sens. Tout d'abord, je voudrais, si vous voulez, bon, j'ai mis une petite bougie, vous savez bien que j'aime bien mes petites bougies, et on va rajouter des petites huiles, hein, c'est les gouttes de sortilège de marque Neu, ben, vous connaissez dans la barre de description, et aujourd'hui je vais mettre une goutte du travail, une goutte du booster, parce qu'il faut bien aller au boulot, hein, pour certains, moi, que vous soyez en vacances, mais vous allez au travail autrement, et une goutte d'amour, vous voyez, pour un, parce que le lundi c'est la jour de la féminité, c'est la jour de l'amour, c'est le jour où on a envie simplement de se laisser aller, jour de lune, dans l'évasion, pas fiscale, non, 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 dans l'évasion tout simplement de ses rêves, voilà, donc là j'ai mis une goutte du travail, je vais mettre une goutte, vous voyez, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes, hein. Pof. Une goutte de l'amour, et un petit booster pour nous revigorer tout ça. Un petit peu de piment, ça fait pas de mal quelquefois. Voilà, et une goutte, voilà. Et maintenant, on va laisser brûler, ça commence à chauffer, parce que chaque fois que je mets ça, ça chauffe. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire, mes amis, en avant-première, comme d'habitude. Alors, écoutez, c'est pas la chaîne où on s'ennuie, voilà. Celles qui ont leurs manches avalées mal placées, eh ben, écoutez, soit vous l'enlevez, soit vous partez ailleurs, voilà. C'était juste pour la petite blague. D'autre part, concernant mes bras, je n'ai pas du tout de tatouage, voyez-vous, parce que mon mari, comme il dit, non, d'abord, c'est pas mon truc, hein, très sincèrement, après, chacun son fun, hein, moi, ça me dérange pas du tout, mais en ce qui me concerne, mon mari me dit toujours, non, on ne met pas de décalcomanie sur une Ferrari, quel beau compliment, n'est-ce pas? J'espère que votre mari se comporte de la même façon avec vous. Voilà, ça vaudra pour la punaise, d'accord, elle comprendra la leçon. Deuxio ou trois tertiaux plutôt, j'allais dire tertiaux, vous savez que j'adore parler de mes petits commerçants à Valence, vous savez que oh, moi j'aime bien, je suis un peu la coqueluche là, quand je me balade dans la ville, donc tout le monde m'apprécie, donc c'est très agréable, et je voudrais vous parler d'une petite commerçante que je ne connaissais pas du tout, qui se trouve en face de la fontaine Napoléon, Grand Rue, c'est un petit magasin qui s'appelle Binôme. Alors dans la barre de description, je vous montrerai sa page Facebook, elle a une petite boutique de décoration, mais vraiment c'est adorable, on dirait un peu terracotta, comme ça j'aime bien, il y a des miroirs œil de sorcière, et Nicole elle a un sourire, alors jusqu'aux oreilles, c'est toujours très très agréable, on a pu converser, c'était génialissime, donc je vous rappelle le nom de ce magasin Binôme, et je mettrai en parallèle, donc dans la barre de description, je mettrai bien sa page Facebook, voilà, mais vraiment allez-y, parce que j'ai trouvé que les miroirs étaient juste splendides, elle a des coussins merveilleux, enfin vraiment ça fait cocooning quoi, tout ce qu'on aime véritablement, c'est dans le vieux Valence, Grand Rue, alors en fait c'est sur la petite place, vous avez à côté le musée des têtes, vous avez là où était Napoléon Bonaparte quand il est venu à Valence, parce qu'il a résidé à Valence, voyez-vous, voilà, parce que nous avons des grands hommes aussi, et des grandes dames, voilà. Donc, ce que je pouvais dire par rapport à ça. Alors, nous allons donc aller bien voir Nicole de ma part et vous ne serez pas déçus du voyage parce que vraiment, c'est une personne que j'apprécie beaucoup si vous habitez Valence ou si vous venez à Valence. Vous savez que Valence est très touristique. Donc, si vous venez à Valence pour une journée ou pour visiter tout simplement, aller dans le vieux Valence. Voilà. Voilà, Nicole, je vous fais de gros bisous. Voilà, on se tutoie pas encore, attends, doucement. Alors, nous allons parler de ces 723,8 milliards qui sont partis je ne sais pas où. Voilà. Il y a eu une enquête du Monde, le 29 juin.
2022, d'accord? Et à l'époque, c'est en octobre 21, Madame Ursula, vous savez, la layette, voilà, von der machin chose, qui avait lancé un plan de relance européen, d'accord, concernant le coco, vous a rappelé, qui coûtait 723,8 milliards d'euros, d'accord? La seule chose, figurez-vous, que la commission, une certaine Céline, elle s'appelle, la commission ne connaît même pas la liste des bénéficiaires. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire qu'on ne sait même pas où est allé l'argent. Eh ben, l'opacité, ils ont répondu, est allouée aux entreprises. Comme c'est étrange. Vous ne trouvez pas ça étrange? Comme c'est bizarre. Donc, on va aller voir où sont passés ces. On va faire notre petite enquête personnelle, hein, tout simplement. Vous savez ce que j'en pense. D'autre part, je voudrais remercier un ou une amie, parce que je ne sais pas si c'est au féminin ou masculin, qui m'a envoyé un message très gentil, qui avait vu le professeur Perron et qui avait vu ma propre vidéo sur lui-même, c'est-à-dire Mister Perron, et qui avait beaucoup apprécié mon travail. Donc, je suis vraiment honorée, vraiment. Et puis, merci pour ce témoignage. J'ai laissé le message en dessous de la vidéo concernant Yaël. Hein, donc, voilà. Mais c'est un véritable honneur. Et voilà, je savais qu'il y avait des gens éminents sur Paris qui regardaient mes vidéos, parce que ce que je dis, bah, écoutez, je me trompe pas. Regardez la coquerellite aiguë, Coquerel, et ben, je me suis pas plantée. Je vous avais annoncé le matin à 9 h qu'elle allait avoir des scandales en ce qui le concerne. Ben, ça n'arrête pas. Ah ben, dit, ah ben, ah ben, non, rien ne va plus. Voilà, vous comprenez ce que je veux vous dire? Arrêtez de paniquer, les enfants. Certes, on va passer des moments un petit peu difficiles, mais je vous dirais, amusons-nous en même temps. Vous allez voir, parce que nous, ça va peut-être être dur, mais alors eux, je vous raconte pas. D'accord? Donc, je vais baisser la vidéo, la caméra. Voilà. Et on va voir, j'ai sorti le Paul Lucin, tout simplement. Et on va voir, dites-moi tout ce que vous pouvez dire concernant ces 723 milliards 8 d'argent de vos qui a disparu, on ne sait pas où. Voilà. Voilà. Non, je n'ai pas bu l'apéritif encore aujourd'hui, parce qu'il y en a qui disent, oui, vous riez, vous avez des vocalises et tout, c'est pas normal. Ben, écoutez, c'est moi, je suis comme je suis, et puis, crotte de bique, j'ai pas envie de me changer. D'accord? Voilà. Les amis, soyez ce que vous êtes, ne changez pas votre life. Voilà. Et le restant, vous les en papa ou de ma part. Soyez libres. Voilà. Les enfants, qu'est-ce qui paraît que ça agace quelqu'un quand je dis les enfants? Je veux peut-être vous envoyer dans un royaume complètement gagouté, voyez-vous? Ben non, pas du tout. Mais moi, j'aime bien plaisanter. Voilà, il y a des vieilles peaux. Ben non, non, j'allais dire. Non, non, je ne le ferai pas. Donc, allons-y gaiement. Voilà, concernant où sont passés ces 723,8 milliards d'euros? Je pense que ça vous intéresse comme à moi. Hein. Bien sûr, on va remettre ensemble donc toutes les cartouneilles. Cartouneilles. Alors dites-moi où sont passés les 723 milliards d'euros. Mais là, vous avez pu remarquer, je ne me plante pas du tout hein, sur tout ce que je vous annonce. Hein. Voilà. Même il y en a qui reprennent tous mes dires. Voilà. Merci pour le compliment. Ça prouve que si sur d'autres chaînes ce que je dis est repris, ça veut dire que merci, c'est un très très beau compliment. Voilà. Donc on va voir où sont passés ces 723, 1, 2, 3, 4, 1, 2. À partir de demain, on remet le ventilateur. Hein? Oh oui, parce qu'on va chauffer. Voilà. Voilà. Vous avez deux. Ah oui, je vais vous expliquer quelque chose, les enfants. 1, 2, 3, 4. Non, c'est là. 1, 2, 3. Nombre d'entre vous me disent qu'ils sont envahis par des démons ou des choses comme ça. D'accord? Quand on veut combattre, quand on veut commencer à faire de la magie simple, on passe par comment je dirais, d'une énergie contraire. C'est-à-dire que si vous avez l'impression que vous êtes titillé par des démons ou des choses comme ça, vous riez aux éclats. Voyez-vous, vous contrecarrez les énergies. Et forcément, les démons vont commencer à foutre le camp.
D'accord? Si vous voyez, comme par exemple, nous avons toute la clique de Carabistouille là-haut, le Bricaton et ses sbires, voilà, vous voulez les contrecarrer ce qu'ils font, ben vous commencez à rire aux éclats, vous commencez à vivre, enfin vous continuez à vivre, vous allez dans votre vie sans vous préoccuper de ce qu'ils vous racontent. D'accord? En fait, on combat l'énergie négative en ayant beaucoup de positivité à l'extérieur et à l'intérieur de soi, et on rit. Donc, il y a bien une structure avec une mauvaise communication, donc c'était bien de l'argent d'entrée de jeu, je peux vous le dire, hein. D'entrée de jeu, je peux vous dire que c'était bien quelque chose qui était calculé d'avance, c'était de l'argent qui était prévu pour des entreprises, avec des mensonges dans la communication, c'est-à-dire quand elle nous annonçait un plan de relance européen concernant le coco, c'était faux. D'accord? C'était bien récupéré par d'autres personnes et c'était bien une structure qui était mise en place et qui concerne l'étranger de la peste aux étoiles. Vous commencez à comprendre? Encore tonton Sam qui est là, parce que tonton Sam, partout il passe, il met le boxon et après il fout le camp. Regardez ce qui s'est passé en Afghanistan. Voilà. Donc c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Et il y aura des discussions, des pourparlers avec ça, parce que là, c'est en train de sortir sérieusement. Bon, je vous ai dit, hein, comme on l'avait vu dans Le Monde le 29 juin de cette année, bien sûr, mais là, c'était bien structuré, c'était bien voulu, avec un mensonge dans la communication d'Ursula, mais on a l'habitude de cette vieille peau. Ça, c'est une certitude. Ça nous parle de l'étranger, là. De toute façon, cet argent a été donné à l'étranger. Donc, on va aller voir plus en détail ce qu'ils nous en disent. Ensuite, attendez, hop, la première carte est pas parue. Alors, ça nous dit clairement, ça discute. Oui, ben c'est bien de l'argent qu'ils nous ont piqué à nous, les Européens. Voyez-vous, ils nous ont bien piqué le pognon, bien évidemment, parce que c'est. Pourquoi changer? De toute façon, c'était bien un projet qui était mis à. Ah, c'est un projet, ben, pour nous piquer de fin de cycle pour qu'on n'ait plus de pognon. En fait, il nous dilapide le pognon, et là, je le dis haut et clair, et je n'ai pas honte, et je n'ai pas peur de ce que j'affirme, puisque je sais que nous avons quelqu'un de très très haut placé, à Paris, là-bas, à Lutèce. Donc, je vous dis, monsieur, tout va sortir, et écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, parce que là, je ne plaisante pas. Là, il y a le fin de cycle, et là, on va voir que le pognon va sortir. Ça veut dire que, en fait, ils veulent tout nous mettre en l'air pour qu'on n'ait plus rien. Comme on sait que Bricaton déjà dilapide tous nos biens, eh ben écoutez, on continue dans le système. Monsieur Bricaton, je suis là. Je vous le dis une nouvelle fois parce que je sais que vous regardez mes vidéos, je le sais déjà, j'en étais informé. Donc, si vous voulez me contacter, il n'y a pas de souci, mais là, vous allez commettre l'erreur de votre vie. De toute façon, c'est peut-être à ce moment-là que, comment dirais-je, l'auréole d'Ursula commence à trembler, voyez-vous, elle commence sérieusement à trembler, d'accord? Les mecs qui savent ne sont pas loin, c'est ce que je vois là. On est d'accord, ce que je vois là, le mec qui savent n'est pas loin, les rôdeurs qui n'ont plus de shield. Donc, il y a bien, oui, ben écoutez, c'était prendre les gens, franchement, ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. En plus, voyez-vous, j'ai l'hexagramme qui est au-dessous, là, sous les pieds, vous voyez, c'est un hexagramme, d'accord? Donc, on est bien du côté de l'ouest, puisque l'hexagramme est du côté ouest. Enfin, il faut s'y connaître hein, dans la matière, donc je ne pourrais pas vous dire, il est bien à l'envers, donc il y a bien quelque chose qui venait nous mettre à l'envers pour nous rendre dingues. D'accord? Ce qui va, c'est nous rendre dingues, hein, tout simplement. Et là, ça me dit qu'ils ont un projet pour le changement. Ils se rendent compte de toute façon que ça n'arrive plus à marcher concernant le coco, qu'à force de nous prendre pour des singes avariés, ben on nous prend pour des débiles, voilà. Ils veulent faire un changement radical, mais radical. Ils vont essayer de passer par tous les côtés, même si, je dirais la pintade, vous savez, la pintade de la borgnette s'est déjà rendu compte de ce qui était en train de se passer au niveau de la populace, bien évidemment, et qu'on ne pouvait plus nous prendre pour des imbéciles, parce qu'on ne pourra pas arrêter les réseaux sociaux, et je vous dis qu'on ne pourra pas les arrêter, parce qu'il y a une lutte qui vient d'être engagée, je vous les avais prévenus depuis longtemps, entre Google, YouTube, mais pas que, et les autres en face. Donc, si vous voulez, rien ne va plus entre les hommes de la popo, Lili, Titi, Queque, et ce monde-là. D'accord? Donc, ce sera deux mondes qui vont se séparer, mais donc, de toute façon, ça sortira. Ils ne pourront pas faire grand-chose.
Parce que les technologies sont encore beaucoup plus élevées qu'ils ne peuvent l'imaginer et on sera toujours en contact d'une autre façon. Au niveau de la magie, bon, j'arrête pas de vous parler de la magie, bien sûr, c'est mon domaine de prédilection. Il faut savoir utiliser votre cerveau, les enfants. Si vous savez utiliser votre cerveau, on a un outil magique et au niveau cérébral, bien évidemment, je parle de l'hypophyse, je parle du cerveau limbique, je parle de l'hippocampe, je parle aussi de l'épiphyse, 0 g 116, une petite glande ou la glande pinéale, qui nous sert d'ascenseur pour réaliser tous nos rêves. Donc notre baguette magique, elle est bien avant tout dans notre cerveau. Et c'est comme ça qu'on va utiliser d'autres lois, dites palingénésiques ou divines, pour faire la technique du chaos, mais de reconstruire derrière. Parce que si vous faites que du chaos, ben, c'est ce que fait Bricaton actuellement, mais comme il s'est pas redressé la barre, et comme c'est un grand comique, et un... oui, je pense que là, il en devient comique tellement c'est... Enfin, franchement, il faut qu'il arrête, quoi. Franchement, ah, je suis là, je suis plus beau, voyez-vous? Ben oui, c'est toujours pareil. Alors, donc, on est bien là, la reine de coupe à l'envers. Mais c'est bien notre Ursula, voyez-vous, notre Ursula, il y a quelque chose qui ne va plus avec elle. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui vont... Je vous l'avais dit, après, vous voulez toujours aller trop vite, les amis. Prenons le temps, savourons ces moments de délicatesse, voyez-vous. Nous devons remarquer vraiment quand ils vont manger leur sucette, voyez-vous. Ils vont bien l'avaler, leur sucette. Ne vous inquiétez pas. Par devant, par derrière, par derrière, par devant, j'étais toute seule à l'enterrement. Voilà, ben, ça va être un peu ça si vous voulez. Là, je vais vous dire que pour l'Ursula, c'est pas du tout. Ben, je sais elle a des trucs sur la tronche en Allemagne. Sur la tronche, non, 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 non. Sur son beau visage, plah! Voilà, une tarte à la crème. Ça fait du bien, encore une qu'on a envie de se farcir. Donc je vous dirais qu'au niveau professionnel, oui, ça va sortir de toute façon. Mais là, rien n'ira plus pour l'Ursula de toute façon. Vous me direz, oui, si jamais là, c'était on attend. Ben oui, les amis, mais on attend. Je vous ai dit, savourez ce bon moment parce que nous rentrons dans une phase, vous voyez vu ce qui se passe à l'Assemblée dite nationale. Nous allons voir ce qui va se passer avec les... Nouveau sinistre, voyez-vous. Je pense qu'on va quand même bien se bidonner. Je trouve qu'ils restent bien tous en silence en ce moment. Mais enfin, rien ne va plus au niveau de l'Ursulette, la layette. Alors, qu'est-ce qu'il a à voir, lui? Lui, c'est pas toujours mon pote. Des fois, c'est mon pote, mais là, c'est pas du tout mon pote. Hein. Je vous dirais qu'il y aura un jugement satanique. Hein. Comme d'habitude, ils vont tenter de... Là, ils vont tenter littéralement les enfants... de nous le mettre à l'envers. Attendez, laissez-moi regarder. Il y a une prise de décision, oui. Donc, si vous voulez, de toute façon, ils vont vouloir mettre le passe. Alors, ils veulent plus mettre le passe V, mais ils veulent mettre le passe S au niveau global. Je vous fais grave des détails pour qu'on sache tout sur vous. Mais, les enfants, si vous commencez à être positif, et au lieu de dire, comment vous dire, au lieu de dire, de râler et compagnie, vous faites du troc. Voyez-vous, faites du troc, c'est pas compliqué. Un service contre notre service, c'est pas compliqué. C'est comme ça que ça se passait autrefois. Et on fait un autre style d'économie, voyez-vous, voilà. De toute façon, je vous l'ai dit qu'il y aurait deux mondes qui sont en train de s'installer, mais ils s'en rendent compte. Hein. Voilà, et les banques n'auront pas le pouvoir là-dessus. Vous savez, la matière n'a pas le langage du cœur. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Mais là, de toute façon, c'est diabolique ce qu'ils veulent mettre en place. Hein. De toute façon, je vous le dis. Et pour eux, tout va s'écouler pour l'instant. C'est ce qu'ils croient. Mais là, la layette, Vonder machin chose, elle va en avoir plein le... Voilà, plein le dos, hein, de toute façon. Ah, il se paraît, il pourrait se faire que cette personne se planque un certain temps, voyez-vous. D'accord? Très mauvaise surprise en ce qui la concerne. Je crois qu'il va y avoir des retours de bâton parce que, alors je vous dis pas demain matin, hein, les enfants, prenez un peu du temps et laissez-moi du temps dans ce que je vous dis. Je vous dirai, voilà bien, dans 1, 2 ans, je dirais, vous direz, c'est long, c'est clair, mais il y aura des choses qui vont sortir sur la reine où elle aura à répondre à la justice de ce qu'elle a fait. Il y aura une décision populaire, les enfants, hein. Il y aura vraiment une décision populaire en ce qui la concerne. Ça parle du peuple, là tout de suite, c'est l'image que j'en ai. Pourtant, j'ai le voile d'Isis. Alors, je ne parle pas toujours de mes connaissances au niveau kabbalistique, au niveau tarologie dans ce domaine, mais pour moi, le chiffre 2, donc la papesse, hein, ce qu'on appelle communément la papesse, c'est le voile d'Isis pour moi.
Et là, par contre, je vois le voile qui se relève. Donc, pour moi, elle va avoir des problèmes, sérieusement des problèmes, ce sera pas la même. Parce que je vous l'ai dit dans un certain temps, pour l'instant, on entend beaucoup parler de l'eau pointée, point A, point N. On entend parler pour l'instant, mais un jour, ils foutront le camp. Vous inquiétez pas. D'accord? Voilà. Et on balayera tout ça d'un revers de pioche. Voilà. Non, je ne l'ai pas dit. Alors, nous avons donc ça nous parle de finances. La reine d'épée, ben écoutez, on y est bien. Hein. De toute façon, c'était bien des finances qui nous ont pris. Bon, il y a eu un changement radical. Donc, ça va tout ressortir, je vous le dis. Là, on me parle bien du mec qui savent. L'autre, là, comme il s'appelle, le roi qui n'a pas de shield, et le rocher noir. D'accord? Donc, tout ça, je vous le dis sincèrement, mais pas que. Il y en a d'autres aussi qui sont impliqués dedans. Mais on va savoir que tout notre argent part au pays de l'oncle Sam. Mais là, on va le savoir en direct. Vous savez, pour que le monde, alors, c'est pas au monde qui sort ça le 29 juin de cette année, bien sûr. Ça me dit clairement que les choses sont vraiment en train de tourner cette fois. Et ça va tourner au vinaigre concernant Bricaton aussi, parce qu'il va se rendre compte d'un seul coup que le monde le hait. Monsieur Bricaton, vous savez de qui je parle, je sais que vous écoutez cette vidéo, je vous le dis sincèrement, faites attention, prenez contact avec moi et je vous ferai redresser la barre. C'est un peu présomptueux de ma part, je vous l'accorde, d'accord. Mais à la fois, on peut aider la populace, ou tout au moins mes amis qui font partie de la populace, on pourrait aider tout le monde et vous pourriez retrouver votre gloriole. Voyez, les deux pourraient se joindre, mais à condition que vous passiez par le chemin que je vous propose. Si vous continuez dans cette voie, vous ne voyez rien du tout, vous êtes dans votre bulle et vous êtes comme un cheval fou avec des œillères. À un moment donné, le mur va arriver sur le côté. Alors j'attends votre coup de fil, hein, quand vous voulez. Alors là, ça nous dit clairement, ben écoutez, ceux qui avaient des projets pour tout foutre en l'air, je vous dirais sincèrement, alors c'est pas pour tout de suite, les amis, mais ils avaient bien au niveau de la peste aux étoiles l'intention de tout foutre en l'air, notre système, qu'on soit fichu, etc. Et j'ai le significateur qui est à l'envers, mais là, ça veut dire complètement autre chose, ça n'a rien à voir avec l'au-delà. Là, je vous dirais bien que tout leur jeu, leur règle de jeu va voler en éclats de toute façon. Ils vont continuer, hein, pour l'instant. C'est pour ça que je dis, les amis, n'ayez pas peur. Restez cool, restez calme, surtout marrez-vous, prenez des bons temps, ne cherchez pas plus à savoir, d'accord? Enfin, savoir le côté négatif, si vous voulez. Vous inquiétez pas, là, dans les journaux et tout, les journaleux, ils vont bien vous faire rigoler entre les uns et les autres. Voilà, donc c'est ça le but principal. Mais là, il y a vraiment des choses qui vont ressortir à ce sujet et je pense qu'on n'a pas fini de rigoler. C'est vrai que sur nos chaînes, on ne parle pas de tout. C'est pour ça que j'ai la chance de parler anglais. Et le fait que je parle anglais, si vous voulez, ça me permet d'aller voir ailleurs les autres informations. D'accord? Donc, je vais prendre le 32 et je vais poser la question tout à fait bêtement. Est-ce que les mecs qui savent ont reçu le pognon, vous savez, les 723 millions, milliards, 8 d'euros? Est-ce que les mecs qui savent, on va poser la question, allons-y gaiement. Est-ce que les mecs qui savent ont reçu l'argent de cet argent-là? Alors, est-ce que les mecs qui savent ont reçu de cet argent-là? Alors, il y a bien de l'argent, oui. J'ai le triangle. Donc déjà, mec qui savent ont reçu. Est-ce que le Roth qui n'a plus de shield, vous voyez ce que je veux parler, ont reçu de l'argent de ça? On va trouver les coupables, vous inquiétez pas, on va trouver les coupables. En vérité, je vous le dis, je vous accuse d'avoir piqué notre pognon. Eh oui. Est-ce que le Roth qui n'a pas de shield a encaissé aussi cela? Alors par contre, attendez. Attendez. En fait, je vais vous dire clairement, le rod qui n'a pas de shield, et tant pis si ça me coûte. Donc il y a bien quelque chose, mais c'est pire que ce que vous pouvez imaginer. C'est pas que le pognon vis-à-vis de rod qui n'a pas de shield, ça concerne les enfants.
D'accord, je vous le dis, ça concerne les jeunes et les enfants, quelque chose qu'ils veulent mettre en place. Donc cet argent, une partie a permis à Rod, qui n'a pas de shield, vous voyez ce que je veux dire, d'organiser quelque chose. Voilà, on le saura pour plus tard, pour séparer les parents des enfants. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. Là, c'est très grave, hein, et maintenant, on sait qui est qui. Maintenant, le rocher noir. D'accord, donc on sait maintenant qui veut séparer les parents des enfants. D'accord? Voilà. Ensuite, on va poser la question, est-ce que le rocher noir a touché de cette magnifique besogne? Magnifique besogne. Alors, est-ce que le rocher noir a touché de cet argent qui nous revient à nous, hein, qui était pour nous? Alors, est-ce que le rocher noir... Oui. Et il a, alors lui, pour le coup, il l'a touché directement. Hein. Là, c'est... Voilà, il l'a touché bien directement. Et c'est bien des histoires de confrérie. Bon, on va pas rentrer dans le domaine, mais là, on est vraiment dans des histoires de confrérie. T'es mon pote, t'es ma pote, tu me donnes du pognon, je te donne autre chose, quoi. Voilà, c'est un peu l'histoire du hot dog, quoi. Voilà, du pain, de la moutarde, une saucisse. Voilà. Ne riez pas, ne riez pas. Par contre, je vais poser quand même la question. Est-ce qu'Ursula... Vous voyez ce qu'il veut dire, la layette, mon der machin chose. Est-ce que l'Ursula a touché de ce pognon à titre individuel et personnel? D'accord? Est-ce que l'Ursula a touché à titre individuel et personnel de cet argent? Alors, je vous dirai, attendez, doute. Pour moi, oh là! La garce. Oui, je sais, je sais. Donc, pour elle, ça va, c'est des choses qui sortiront dans le futur. Donc, ça concerne bien le couple, mais le fils. Le fils apparaît là. Un fils, c'est un compte qui se trouve à l'étranger. Je peux peut-être au-delà qui n'est point aware, voyez-vous. Ça me parle bien parce que je suis quasiment sur mon coup là. Oh, mon Dieu, je vois l'adresse. Ah merde, je vois l'adresse. Ah, je vois l'adresse. Eh bien, on est bien au deleu.fr. C'est un état là-bas, d'accord? Où le bidon, d'ailleurs, était le chef là-bas. Et là, ça me dit clairement, c'est bien quelque chose qui travaille et lumière. On le saura de toute façon, mais il y a quelque chose qui a été mis là-bas en direct, sur place au deleu.fr. Donc, je peux vous le dire, cette femme a bien un compte et je vois l'adresse. Ah merde! Bon, oh pardon, excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Bon, on le dit pas en public, hein? Je regarde pour moi, d'accord? Je peux voulez vous rentrer. Donc c'est pas du tout une banque comme on a l'habitude de voir. Je vois un building, mais un building des années 30, ouais, je dirais 20-30. Vous rentrez, il y a une plaque juste à droite, mais une plaque comme de cercle de pouvoir. Et vous rentrez, bien évidemment, c'est carrément au fond, et vous descendez en sous-sol. Voilà. Bon, après, on va... Il y a des étages au-dessus, mais pas tant que ça. Alors, bon, on va voir. Est-ce que Bricaton a touché de cet argent sur un compte quelque part? Alors, est-ce que Bricaton a touché de cet argent sur un compte quelque part? Alors, est-ce que Bricaton a touché de cet argent quelque part? Oui, aussi. Bricaton aime du palais, hein, pour ceux qui ne savent pas, les nouveaux arrivants, etc. Ouais, je vais vous dire, oui, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire par rapport à ça? Oui, c'est une décision qui a été prise. Alors, elle est sur un... Je vous l'avais dit, c'est une question qui m'avait été posée dans le temps, enfin, il y a quelque temps déjà. Où on me posait la question s'il avait plusieurs passeports, j'avais répondu oui. Effectivement, là, ça me parle d'autres passeports. D'accord? Là, il suis favorable, et puis là, on a la totale. Si je mets les trois ensemble, vous voyez, Valet d'Amour, association financière avec une décision, voilà, au-dessus. Mais pour moi, c'est des gens de très haut pouvoir. De très haut pouvoir. Alors, je crois savoir de qui il s'agit, mais vous comprendrez bien qu'on ne peut pas en parler sur cette vidéo parce que ça pourrait nous mettre
Problématique. Eh ben voilà les amis ce qu'on pouvait dire aujourd'hui concernant ce pognon de dingue qu'on nous pique, entre guillemets, on va se les briser, menu. Vous êtes d'accord avec moi? En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, merci d'être là, merci les pouces bleus, les likes, les partages et surtout les abonnements, vous savez qu'on en a besoin, qu'on en a besoin. Et gros bisous tendres, à bientôt, bye bye!